Et hey, salut tout le monde, ça c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour vous présenter l'amélioration de ma base dans les trésors des tropiques. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager et puis de s'abonner. Et n'oubliez pas mon code créateur Axel Éponge tout en majuscule. Et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais commencer à remettre un petit cabanon double. Hein. C'est ce qu'il faut là pour l'instant. Là, il faut se dire que je commence à zéro. Hein. Je commence vraiment à zéro. Et là, vous voyez bien que j'ai pas tout ce qu'il faut. Ça y est, c'est terminé. Cabanon double. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans comme métier? Ah bah tiens, force de rune. Alors vous allez me demander pourquoi je vais mettre force de rune. Bah, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va servir par rapport à les épisodes précédents de Lego Fortnite. Donc, vous avez vu les petites pièces que vous ramassez d'habitude, vous ne savez pas à quoi ça sert. Ben, c'est pour améliorer les outils. Donc, il faut juste aller sur l'épée, ensuite sélectionner l'emplacement. Ah, mais c'est super! C'est mieux qu'avant. Rune de vitalité, rune défensive, augmente légèrement les chances que vos ennemis laissent tomber de l'objet de soin. Rune de durabilité. Bon, c'est augmenter légèrement la durabilité. Rune de dégâts. Ah, ben c'est la même chose. Attendez. Hop, hop, c'est la même chose qu'avant, mais sauf que là, c'est. On va dire, c'est beaucoup plus mieux. Ce que je peux forger. Allez, je vais tout choisir. Hein. Oups là. Et de 1. Oh, s'améliorer. Augmente légèrement chance que vos ennemis laissent tomber des objets de soin. Ok. Ensuite, deuxièmement, je vais choisir rune de durabilité. Hop, bon, je vais prendre les trois. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. De toute façon, j'ai 850 essences disponibles. Donc. Est-ce que mais je peux pas choisir d'autres? Attendez, hop, je clique dessus. Je peux pas choisir d'autres là? Nouvelle sélection. Oh, je suis bloqué. Ah, je peux pas. Attendez. Attendez, pas de panique, pas de panique. Bon, allez, je vais essayer de dégâts. Ah, ok. Bon, là, c'est amélioré, on va dire. Épée longue atypique. Puissance 5. Vous savez quoi? On va tester tout de suite qu'est-ce que ça fait l'épée améliorée. Déjà, on va voir. Bon, ce mouton, on va dire, c'est pas très, très intéressant. Mais je teste quand même. La viande, la viande. Oh, ça tombe bien, toi là-bas. C'est la meilleure façon de tester mon arme. Viens, approche. Attaque-moi. Wow, il est énervé. Il est énervé. C'est un ours en colère. Vas-y, tape-le. Boum, bam, 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 bam. Tout, tout, tout. Ah, c'est déjà la moitié. Ah ben c'est très efficace. Au revoir. Allez, on va attaquer les pirates pour une fois. Pour une fois que c'est moi qui a la confiance. Allez, venez là, venez, je vous attends, bande de nuls. Je vous attends avec votre flèche là. Ya! Ya! Ah, ils sont combien là? Ils sont deux? Yo, comment les défonce? Elles ont même pas tenu 2 minutes, hein. Alors que d'habitude, ceux qui courent après nous.
Là, c'est nous qui domine. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, tchoum, 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 boum, boum. Et vous voulez quoi, vous, les petits minus, là? Allez, on va se faire le troisième ours. Allez, viens ici, toi. Yo! Ah, il va m'attaquer, il va m'attaquer, il va m'attaquer. Ouh là 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 là, il est chaud, il est chaud. Ah, ça va exploser, ça va exploser. Attention, ça va exploser. Ça va exploser. Badaboum. Oh, c'est mort. Ah non, 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 je suis tout seul. Non! Oups là, esquive. Esquive. Hop là! Ah, j'arrive pas à le taper. Esquive. Bam! Oh non, 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 non. Oh non, 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 c'est pas bon ça. Allez, je cours, je cours, je cours, je reste pas à côté. Ah, il est à l'air coriace celui-là. Ah, en plus, j'ai un temps de retard. Faut pas que je reste sur place, sinon, il va me tuer. Allez, mon allié, il faut qu'il respawn là. Ah, il attaque même les poules innocents. Allez, on attaque! Allez, attaque-le! 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 Voilà! Alors, quel genre de métier qui va rendre ma vie plus facile? Granulateur, c'est bon, c'est parfait pour faire le potage. Allez, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Enfin, comme accessoire? Tige de bois noyeux, bloc de granit et carapace. Et pour ça, il me faut d'abord le métier de casseur de pierre. Et bien sûr, il faut bois noyeux et marbre. Allez, je vais placer juste ici, dans le coin, il y a de l'espace. Et voilà, c'est bon, c'est parfait comme ça. Et maintenant, il faut juste broyer le granit sous forme, bloc de granit, voilà. Tout, 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 maximum, maximum, maximum. C'est parfait. Allez, je fais une petite cabane pour les potages. Pour ça, j'ai besoin juste de cabanon simple. Hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Hein, voilà. Hop, on va déposer ça là. Ça va prendre 5 minutes. Même pas. Regardez. Hop là. Chronométré. C'est parti. Tchou, rapidité. Top. Hop. Donc là-haut, et je pense que c'est déjà terminé. Ah non, presque. Voilà, ça m'a même pas pris 1 minute. Maintenant que j'ai ça, je vais déposer le granulateur. J'en ai besoin de mettre juste ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je peux faire mon petit potage. Et pourquoi pas ajouter un bâtiment à côté pour le stockage. Je vais mettre cabanon double. Oh là 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 là, ça va être parfait tout ça. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de rajouter des petits coffres autour pour bien s'organiser. Et si je commençais à planter des tomates, c'est bien, non? Allez, il me faut passerelle cultivable. Bon, comme d'habitude, hein, je me fais 4 espaces. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je peux commencer. Faut que ce soit droit, hein. Voilà, c'est parfait pour l'instant. Donc là, je vais mettre des tomates et après, je vais voir par la suite, hein. Je vais planter des tomates. Je vais planter des tomates. Où je plante des tomates. Et voilà, j'ai 8 passerelles de tomates. 8 passerelles de tomates. Ah ah! Ça commence à ressembler à quelque chose, mon petit village là. Pour finir cette aventure, je vais améliorer le totem. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, voilà. Hop. Wouhou! Ah, il n'y a pas d'applaudissement? Non? Non? Est-ce que je peux encore améliorer? Encore une fois, allez, on va voir ça.
Oui, c'est bon, c'est super. Il me semble que je peux encore améliorer. Allez, je vais faire encore. Hein. Voilà. C'est super. Ah, j'ai débloqué Taverne Tudor. Voilà, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous pour le like, pour le partage, pour le commentaire. Et merci à vous aussi qui s'abonnent. Merci tout le monde. Vous êtes vraiment les boss. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!